Salut à tous, c'est Will Bass Gamer. On se retrouve pour attaquer l'épisode 9 de la saison 2 de Minecraft Aventure Survie Let's Play avec 5 défis qui sont de faire des blocs de laine de 6 couleurs différentes, de construire ma base en haut d'un grand arbre, d'avoir une larme de ghast, de construire une montre et une boussole et de faire une piscine aérienne à côté de ma base. Aujourd'hui, on va encore faire de la construction malgré que la dernière fois, quand même, j'avais oublié de l'obsidienne pour faire le portail du Nether. Pour aller tuer un ghast, voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié que je m'étais arrêtée ici. Effectivement. Alors juste, je remarque que j'ai pas de nourriture. Là, j'ai des carottes. On va tout de suite en prendre. Voilà, un peu de nourriture. Alors, j'étais venue chercher du sable. Je m'en souviens, la dernière fois, j'étais venue chercher du sable ici. C'est pour ça qu'ici, il n'y a plus de sable. Alors, on va. Je voulais aller dans le Nether, mais je me souviens que j'avais pas de gravier. Et tenez-vous bien, je crois que je sais où il y a un bloc de gravier. Je vais vous garder la surprise. C'est juste dans cet arbre. Vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Mais je me suis aperçue que j'avais un bloc de gravier juste à côté de ma maison, en fait. Et vu qu'il me manquait le briquet pour faire le portail du Nether, vu que pour le portail du Nether, il faut un briquet pour allumer le portail, pour pouvoir ensuite aller dans le Nether, et que je n'avais pas de briquet pour allumer le portail, bah il y a un bloc de gravier juste ici, en fait. Donc, je vais juste le prendre, hop, reposer ça là, mes torches elles sont dans mon inventaire, on va remettre la torche comme avant. Voilà, alors on va aller ici, ici, on repose la torche là-dedans, hop, peut-être enchanter la pioche, ce serait pas mal, on va le faire comme ça. Alors, efficacité, je pense que l'efficacité, il y aura un autre enchant, non, il y aura quoi, efficacité? D'accord. Ok, ça c'est bon, c'est cool pour efficacité en tout cas. J'ai pas repris mon eau la dernière fois dans la grotte. C'est pas grave, on va mettre... Où est mon four? Oh, j'ai oublié de remettre un four la dernière fois. Il est où le four? Masse, masse. Il est où le four? Il est où? Il est là. Il est là, il s'était caché dans le coffre. Il s'est dit, ah non, 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 moi je pars. Je veux pas être... Je veux pas être utilisé, moi, je vais être dans le coffre. Ah bon, voilà, elle est superbement bien posée cette torche. Alors, hop, ça ici. On va remettre, voilà, le peu de sable. Je remettrai le sable plus tard. Donc, le verre pour la piscine aérienne, hein, bien sûr. Ici, on a le bloc de gravier. Donc, je propose qu'on va, voilà, le casser comme ça. Plein de fois, et puis jusqu'à ce que ça nous donne un silex. Donc, jusqu'à ce que ça nous donne un silex, comme si on casse un gravier, hein, qu'on peut avoir un silex. Donc là, s'il vous plaît, j'aimerais bien en avoir un. Non. Ça peut durer très longtemps, j'espère que ça va pas durer très longtemps. 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 On va prendre même la pelle juste à côté, comme ça. Je pourrais le casser assez rapidement. Non. Voilà, ça va être la routine. Allez, donne-moi ton bloc. Ah, voilà, un bon vieux silex. Je vais garder la pelle, même si elle ne sera plus beaucoup d'utilité, vu que j'ai pris tout le sable qu'il me fallait. Voilà. Et donc, il me faut un petit lingot de fer. D'ailleurs, j'ai 13 fer. Pas que ça porte malheur, mais bon. Et le briquet, voilà. Merci, le petit bloc de gravier que j'ai mis sur, avec une torche dessus. Sinon, je ne l'aurais pas. Alors, juste ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Les flèches, j'ai pas d'arc, alors en fait, non, ça va pas me servir. La boussole, je peux la ranger pour les défis. Hop, obsidienne, cuir. J'ai emporté des blocs au cas où, dans le Nether. Je vais prendre, voilà, plein de pierres taillées. Et on va prendre aussi des pastèques, au cas où. Et le verre, on va le ranger. Non, en fait, le verre, on va l'utiliser pour la piscine aérienne. Et puis voilà. 2 secondes, je regarde le chrono. Voilà, le chrono qui est pour la durée de l'épisode. Allez, go, on va go dans le Nether tout de suite. Alors, je vous avouerai que le Nether, c'était... Attendez, mince. Je remarque que j'ai pas enchanté mon armure. Et si j'enchante pas mon armure, je crois que je vais retourner l'enchanter quand même. Parce que c'est bien une armure enchantée pour aller dans le Nether quand même. Du coup, on va faire ça. Voilà, la piscine, bon, pas très très grande non plus, mais voilà, ce sera bien comme ça. Alors, je m'excuse, je vais juste aller enchanter mon armure. Ça peut toujours être un petit plus quand on est dans le Nether.
J'ai rangé le seau d'eau aussi, je suis en train de me dire. Alors, je voulais juste, je voulais enchanter. Voilà, donc juste, on va reprendre le petit lapis. Enlever le plastron, déjà pour voir quel enchant ça propose. Protection contre les explosions et protection 1. On va faire protection 1. Voilà, un petit peu. On va voir ce que ça nous propose pour le reste. Alors, qu'est-ce que nous propose pour les bottes? Protection 1. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Respiration. Respiration sous l'eau. Ah, ce serait pas... Protection contre le feu et respiration. Parfait. On va faire ça pour juste de la protection. Hein, c'est pourri. Voilà, je vais ranger ça. On va se faire... Voilà, donc là j'ai respiration qui peut me permettre de respirer sous l'eau. Or, je ne vais pas respirer sous l'eau pendant cet épisode, mais c'est assez amusant. C'est pour ça que je l'ai pris hein, en même temps. Voilà, on va allumer le portail et puis on va go. Voilà. Petit portail du Nether, tu vas être allumé dans quelques secondes. Allez, vous êtes prêts? On va aller faire petite apparition surprise. Hein, petite apparition surprise. Entrer dans le Nether. Ok. Ok, donc là-bas déjà, il y a de la lave. Là, j'ai oublié mes blocs. Alors, forteresse, on apparaît dans une forteresse. Bon, là-bas, il n'y a rien, je préfère boucher. Bon, ici, on va faire pareil. Hop. Et ici. Bon, ici, il n'y a rien non plus, alors voilà. Je fais ça pour pas qu'il y ait des monstres qui puissent s'approcher. Là-bas, il y a de la lave, disons, alors... Pour la lave qu'il y a, quoi. On va refermer ça. J'espère qu'il fera pas très très sombre pour vous, en tout cas, quand même. Alors, ici, il n'y avait rien. Ici, il n'y avait rien. Donc, on va aller là. Gauche, rien. Droite, rien. Allez, on s'avance. On s'avance. Et ici, il y a un peu de... ça, hop. Voilà. Ça, c'est pour un nouveau dicté hein, que je fais ça. Hop, 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 hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a rien? Ben, c'est rien. Bon, c'est pas très très grave s'il n'y a rien. Enfin, si c'est quand même grave, parce que du coup, j'atterris dans un endroit où il n'y a absolument rien. C'est super, ça. C'est génial. Désolée, il y a eu une petite coupure. La carte mémoire de ma caméra était pleine, du coup. Désolée, il y a eu une petite coupure. Je m'en excuse, mais c'est pas très grave. Donc là, je disais qu'il y avait des blesses qui venaient d'apparaître. Donc on va aller les tuer. Voilà, pour bien. On va peut-être s'éloigner un peu. Parce que là, je pense qu'ils vont lancer des boules. Oh, qu'est-ce que je disais? Allez, venez-vous. Allez, allez. Voilà, meurs. C'est bon. Il y en a deux qui sont morts. Alors, truc gênant, par contre, c'est que du coup, il n'y a rien ici. Oh là, le blesse qui apparaît en plein devant moi, là. Ça va pas le faire, tiens. Alors, du coup, ça veut dire que là, il n'y a rien. Là non plus. Je vais juste prendre ça. Ça, c'est pour un niveau d'XP, hein, pour les enchantements. C'est pratique. Le quartz du Nether, qui ne sert absolument à rien, en plus. Alors, du coup, vu qu'ici, il n'y a rien, et ici non plus, on va aller là où il y a du feu, mais je crois qu'en fait, là-bas non plus, il n'y a rien. C'est super cool. Des endroits où il n'y a rien, comme ça. Bah, je vais être obligée de monter là-haut. Hein. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Hop. De toute façon, le Nether, c'est pour tuer un ghast que je suis là, donc faudrait que je trouve la surface là. Par contre, faudrait que je fasse gaffe qu'il y ait de la lave qui peut me tomber sur la tronche. Et ça, c'est pas très très rassurant de savoir. Je crois que la carte dans le Nether, elle sert à rien, la carte. Bon, parce que ouais, tuer un ghast, donc un ghast, c'est une énorme chose qui vole dans les airs du Nether, et puis donc qu'on peut tuer avec des flèches à épée. Ou en lui renvoyant des boules de feu, car il lance des boules de feu, enfin voilà quoi. C'est un monstre du Nether.
J'écoute si j'entends pas de la lave. Purée, quand même, j'ai creusé pas mal de temps. J'espère ne pas tomber sur de la lave, comme je le dis, parce que sinon, voilà quoi. C'est pas super. Allez, bien trouver quelque chose là, en montant. Allez, allez. Du coup, en plus, je flippe là, parce que je me dis, s'il y a de la lave qui me tombe dessus, j'aurais l'air malin quoi. Allez. Putain, mais. C'est énorme, mais il y a combien de trucs là? Je vais devoir creuser combien de temps avant de tomber sur quelque chose? Allez, je veux simplement un petit ghast, le tuer, et puis je repars. C'est si simple que ça. Mais je crois que je vais pas pouvoir le faire, hein. Non, non. Allez. Voilà, j'ai creusé un truc. J'arrête pas de me gourer. Hop. Surtout qu'en plus, ça va bientôt être la fin de l'épisode. Allez. Allez, dans les objectifs, c'est bien que j'ai réussi à avoir un portail de Nether, mais si je pouvais tuer le ghast, ça serait nickel. Putain, mais y'a rien là. Oula. Oh, j'ai cru qu'il y avait un bug. Bon. On va redescendre. Mais y'a absolument rien. Je crois que ça. Je ferai des séquences hors cam. Hors caméra. Comme ça. De minage. Pour essayer de trouver une sortie, mais c'est pas génial. Ouais, c'est vrai, je spawn dans un endroit totalement pourri. Quand je dis pourri, c'est pourri en plus, hein. Y a absolument rien. J'entends un blaze. Voilà. Blaze, mais il est où? Ça commence à me faire flipper là, c'est quoi ce bruit? Il est juste à côté. Je crois que je l'entends par là-bas. J'entends, il est super proche. Purée, il est à côté, il est à côté. Où es-tu, petit Blaze et Wither Squelette? Vous m'attendez? Non, là, ils sont partis. Oh, genre, il me souffle dans les oreilles en plus là. C'est clairement pas agréable. Arrête de me souffler dans les oreilles, toi. Il est vraiment proche hein, en plus. Mais je ne sais pas où il est. C'est là-bas, mais là-bas je vois rien en fait, il n'y a que de la lave. Je ne sais absolument pas. Bon, on va repartir. On se fera le Nether donc la prochaine fois. Là, franchement, je ne sais absolument pas où il peut être. Je fais gaffe en sortant parce que je pourrais me bousiller en haut des arbres. je pourrais faire une terrible chute, comme il y aurait marqué, et puis mourir comme un abruti en sautant de l'arbre. Ce serait sympa, ça. Bon, du coup, dans le monde réel, sinon, il y a quoi? Il y a ça. En plus, ça va bientôt être la fin de l'épisode, quoi. Attendez, je vais juste passer la nuit, je peux. Ah oui. Ah, ça va être la fin de l'épisode en plus. C'est vrai qu'avec cette coupure là, ça m'a fait un peu perdre le fil du temps. J'avoue. Hop. Faudra que je mette du bois aussi là-dessous parce que là, sinon ça fait un peu moche. Hop. J'avoue, dans les heures, j'étais un peu stressée quand même. Là, j'étais un peu. Plus j'entendais le blaze. Le blaze, franchement, là, il me soufflait dans les oreilles. C'était pas agréable du tout. Je me suis dit, purée, mais il est où ce blaze? Je vous avouerai, j'ai un peu. Voilà. Flippé. Je me suis dit purée. En plus, il y avait des bruits d'os, des os. Du coup, il y avait un Wither squelette aussi. Je sais absolument pas où ils sont. Ben, on découvrira ça dans le prochain épisode, je pense. Je ferai de longues recherches, je pense, hors cam aussi, parce que franchement, je sais pas où ils peuvent être. Là-bas, il y a de la canne dessus, mais j'ai déjà les enchantes. Et puis, ben voilà, je crois qu'on va se laisser sur le toit. Oh, là-bas, il y a un biome neige, je suis en train de me dire. Ce serait aussi sympa de partir en exploration là-bas. Ouais, et tout ça. Bah sinon, je vais vous laisser. C'était l'épisode 9 des Will Was Gamer. On n'aura pas trop avancé. Enfin si, on aura avancé un peu dans le Nether. On sait qu'on a spawn dans un endroit pourri où ça va nous demander beaucoup de recherches pour trouver un ghast. Ça c'est sûr. Mais bon, bah je vous dis salut à tous. N'oubliez pas de liker la vidéo,
de vous abonner à la chaîne qui a d'ailleurs un peu changé, oui j'ai changé un peu la présentation de la chaîne, j'espère que ça vous plaît, en tout cas moi ça me plaît plus qu'avant. Alors je vous laisse, je vous dis salut à tous, bye bye.